Bon, attends, j'enlève le ventilo pour que je sois audible au moins. Attends, le micro, hop, nickel. Donc, bonjour ou bonsoir. Un petit déraillement comme ça sur le début. Donc, bonjour, bonsoir, c'est Revan. Donc, on se retrouve sur The Only Traitor. J'ai eu un peu de mal à trouver mes mots. Alors, le DLC de The Final Station, que j'appelle affectueusement TFS. Parce que The Final Station, c'est les premières lettres, c'est les initiales. Donc voilà. Bon, alors déjà, je vais vous parler un peu de mon ressenti sur ce DLC. Alors c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, j'ai bien aimé le faire, j'ai bien aimé ne pas courir. Mais je l'ai trouvé, comment dire, légèrement en dessous de The Final Station. Et en fait, je pense que tout ça, c'est tout simplement à cause de l'univers. Un univers, dans The Final Station, on le découvrait. Ici, on poursuit notre route, et littéralement en plus, hein. Donc avec un nouveau personnage, voilà, qui va devoir s'enfuir avec cette voiture. On n'aura plus le train, on aura la voiture, là. Et la voiture, elle peut accueillir qu'un seul passager. C'est-à-dire que quand vous trouvez un survivant, vous devrez choisir entre celui qui est dans la voiture, vous le gardez, ou le nouveau que vous rencontrez, vous le prenez. Alors je vous montrerai pourquoi c'est intéressant de faire ce choix-là. En plus d'avoir, je crois qu'il y a 6 ou 7 personnes. Donc ça fait 6 et 7 trophées en fonction de la personne avec qui vous finissez le jeu. Et en plus de ça, hop, tiens, prends ça, vilain. Ouais, je vous disais, attendez, qu'est-ce que je vous disais déjà? On était sur le fait de prendre des personnes. En plus d'avoir les trophées, en fait, si vous voulez, ça vous raconte un bout d'histoire du jeu. Bon, là, je vous laisse un peu la note, hein, pour ceux qui veulent lire. Je vous disais, donc, en fait, chacun raconte leur histoire et ça approfondit encore plus l'univers de ce jeu. Et comme je vous disais, aux grandes dames de me répéter, hein, ce DLC, il est bon, très honnêtement. Il est bon, hein, c'est pas une arnaque. Mais je le trouve moins puissant, comme je vous ai dit. Le fait de connaître déjà l'univers, d'en être imprégné. En fait, ce DLC, il répond surtout à quelques questions que vous pouvez se poser dans The Final Station. Alors, oui, il répond à des questions. Mais la fin, je vous le dis tout de suite, hein, à la fin, c'est un what the fuck. Ça m'a retourné le cerveau. Littéralement. Alors, je suis peut-être trop con, hein. Mais je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? La fin, elle est bien trouvée. Voilà. C'est un what the fuck et tout. J'aurais aimé que ce qu'on voit à la fin. Je suis désolé, je parle par énigme, hein, mais vous pouvez pas voir. Vous pouvez pas comprendre ce que je dis. Parce que j'ai pas envie de. C'est pas mon but de vous spoiler. Même si je vais vous spoiler dans quelques jours. Voilà, parce que bon, je vais vous montrer la fin de The Final Station, la dernière séquence. Hein, voilà. Donc, ouais, je vous disais, j'aurais aimé que le DLC soit tout dans ce. Tout dans. Comment dire, dans le mystère. Comme il fait à la fin et dans The Final Station. Parce que bon, la narration indirecte, maintenant, on la connaît un petit peu. Hein, je veux dire. Et voilà, de manière générale, j'ai trouvé légèrement moins intéressant que... Enfin, c'est pas moins intéressant, c'est pour ça que j'ai recommencé la vidéo plusieurs fois. J'ai du mal à décrire mon ressenti... Bon, pas mon ressentiment, hein, mon sentiment à propos de ce DLC. C'est-à-dire, il est bien, il est dans la continuité, en fait, si vous voulez. Voilà. Et peut-être que j'en entendais plus. Oh putain, dégage, dégage! J'en entendais peut-être plus de... du jeu, en fait, si vous voulez. Parce que The Final Station, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré parcourir son univers. Voilà, à 3 voire d'espérance, hein, on se retrouve déçu. C'est ce qui m'est arrivé aussi avec The Last of Us. Hein. Les tests étaient sortis une semaine avant qu'ils sortent le jeu. Des 10 sur 10 de partout. J'ai joué. Quelle déception. C'est un bon jeu, à pas en dire. Y a rien à dire dessus. C'est vrai que c'est un bon jeu. Mais c'est pas le Game of the Year, le Game of the Decennie. Auquel on nous l'avait vendu. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de The Last of Us. Donc voilà un peu mon ressentiment sur ce DLC. Je le répète une dernière fois. Dans la continuité, donc un peu déçu quoi. Je m'attendais à plus. Voilà. Déception par rapport à je m'attendais à beaucoup plus en fait, si vous voulez. Et donc, alors, comme vous avez pu voir sur le gameplay, notre personnage principal, mais non seulement il parle, c'est important, hein, il parle. Parce que dans le premier, dans The Final Station, le perso principal, déjà, il faut être attentif aux notes qu'on lit pour trouver son nom. Hein, parce qu'il est dit à aucun moment. Et ensuite, si vous voulez, les personnages, nos interlocuteurs, ils répondent au personnage principal,
Mais en fait, le passé, nous, on le voit pas poser sa question. Donc voilà, c'était un peu bizarre comme... un peu binaire, mais ingénieux, maintenant que j'y pense. Parce que ça crée toujours plus de mystère. Mais puis même, la réponse qu'il donne, on peut deviner un peu sa question. Donc voilà, en plus, arme de corps à corps. Et par contre, pour les armes à feu, on n'en aura qu'une seule. C'est un flingue, c'est un Colt 6 coups. Enfin, un Colt. C'est un flingue à barillet, quoi. Donc, voilà, il n'y aura pas d'autres armes, hein, contrairement à The Final Station. On aura... Mais déjà, rien que le fait d'avoir une arme de corps à corps, ça vous change pas mal la vie. Parce que je la trouve plutôt puissante. Et très sincèrement, c'est plutôt compliqué pour se faire toucher par les ennemis de base. Et ouais. Attendez, on va avancer. Voilà, on va lui parler. Regardez, par exemple, là, c'est ce que je reviens dessus, excusez-moi. Mais dans The Final Station, si vous vous souvenez, ou si vous savez pas, hein, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, le personnage, on voyait jamais les questions. Voilà, là, il y avait un blanc, il y avait trois petits points. Hop, et le personnage lui répondait. On savait pas ce qu'il disait. Donc voilà, petite évolution. Bon, là, écoutez, regardez, là, c'est le système de survivant. On va le prendre avec nous. Vous pouvez voir, crafting, il est très faible. Mais par contre, il est en médic et en sociality. Alors, la socialité et la sociabilité, je sais pas à quoi ça influence. Le crafting, je sais pas non plus, mais bon, je pense avoir deviné, hein, comme il a très peu en crafting, ça veut dire qu'on va galérer, on va mettre... il voudra beaucoup plus d'éléments pour fabriquer des trousses de soins et des munitions. C'est les seules choses que vous pourrez fabriquer dans ce DLC, parce qu'il y avait une troisième... Ah oui, c'est des trucs de cartouches à... des cartouches de fusil à pompe, mais comme on en a pas dans celui-là. Donc voilà, j'ai récupéré tous les objets, et du coup, en parlant d'objets, ça me permet de rebondir, hein, une transition magnifique... sur le but des niveaux, parce que comme vous pouvez voir, on sera plus en train mais en voiture, et le but des niveaux, ce sera de récupérer les trois éléments que vous voyez cochés d'une une flèche verte, une flèche, ouais, si on peut dire comme ça. Donc il faudra, dans chaque niveau, ce sera de l'eau, de la nourriture, bon je vais prendre quand même la voiture, hein. De l'eau, de la nourriture et de l'essence. Voilà, ce sera plus les codes de bloqueur parce que ça aurait aucun sens. Voilà. Et du coup, en parlant de bloqueur, du train, ça me fait penser que j'ai aucune idée de savoir si le jeu il se passe avant, pendant, après. C'est difficile à dire. Très honnêtement, si vous savez, n'hésitez pas. Si vous avez fait le DLC, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, voilà, pour l'instant, je peux rien commander. Je peux le soigner, mais ça nous enlève pas de trousse de soins. Bon, ben, très bien, voilà. Et comme je vous disais, quand vous prenez un passager, ça raconte une histoire. Voilà, et vous en apprenez un peu plus sur le lore du jeu. Voilà. Donc, j'étais en train de faire un peu le tour du gameplay. Bon, ben, ça se joue comme The Final Station, hein, que vous avez pu voir. On a un coup pour le corps à corps, on va trouver le flingue un petit peu plus tard. Et par contre, ils ont rajouté de nouveaux ennemis, 4 types de nouveaux ennemis, je vais vous en parler, hein, parce que c'est intéressant quand même. Voilà, on va pas dire que des conneries. Alors ils ont rajouté un nouveau style d'ennemi, c'est que, bon, c'est des ennemis, quand ils seront à terre, ils seront pas morts tout de suite, ils vont commencer à ramper. C'est des ennemis qui peuvent être un peu chiants quand quand ils sont en nombre, si vous voulez. Tout seul, vous leur faites la peau. Et donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont doté le personnage principal d'une... C'est pas une batte, j'allais dire une batte, c'est pas une batte, c'est un morceau de bois avec des clous. Si on suit aux artworks, le magnifique artwork que vous pouvez voir sur la miniature. Voilà. Ensuite il y aura un ennemi, j'ai appelé ça un berserker. Bon, il a pas de nom. En fait, si vous voulez, quand vous le touchez une fois, il a les yeux, il grandit et il a les yeux qui deviennent rouges et il fonce sur vous. Bon, il m'a jamais touché, il m'a jamais enlevé de vie, mais j'imagine qu'il vous enlève plus de vie que la moyenne. Voilà, là on peut passer. Donc, comme je vous l'ai dit, bon, sympa. Voilà. Comme je le faisais au corps à corps, il m'a jamais touché, donc bon. Voilà quoi. Ensuite, vous aurez un dernier infecté, dis donc, qui lui aura, vous le reconnaissez, lui, il aura les yeux verts. Il vous crachera de l'acide, une sorte d'acide. Eux par contre ils sont bien casse-couilles. Ah, eux c'est des ennemis super casse-couilles. Une fois en plus, déjà tout seul ils sont bien casse-couilles. Mais il me semble que vous pouvez leur renvoyer les projectiles. Il me semble l'avoir fait à plusieurs reprises. Donc voilà. Bon, quand ils sont tout seuls c'est tentable, quand ils sont à plusieurs c'est un peu plus chaud, voilà. Il faudra jouer du Colt. Sinon, et un dernier type d'ennemi que vous trouverez, et qui est plutôt intéressant, c'est des humains. Ça, vous ne l'avez pas dans The Final Station. Oui, je compare à The Final Station parce que vous voulez que je compare à quoi? À Matrix? Non, mais voilà, regardez les nouveaux ennemis que je vous parlais. Et moi, ce qui m'a perturbé, c'est que regardez, vous voyez, c'est leurs yeux, il est toujours blanc. Leurs yeux sont toujours blancs. Donc, je craignais à chaque fois qu'ils reviennent à la charge.
Mais non, bon, ils sont morts, ils sont morts. Voilà. Donc voilà, et là vous avez un nouveau survivant, le projectionniste. Voilà, il va nous parler. Et ouais, je vous disais donc les humains qui eux ne seront pas armés d'armes à feu, mais d'armes de corps à corps, des bas, des pieds de biche. Voilà. Ils sont plutôt chiants à tuer. Voilà pour les nouveaux types d'ennemis. Voilà, regardez par exemple là, je vois que lui il est meilleur en crafting. Machin, il est un peu moins meilleur en sociabilité, mais bon, comme je vous ai dit, je sais pas à quoi ça sert la sociabilité. Donc allez, vas-y, prends et je largue l'autre. Voilà. Allez, maintenant. Ah, il y a un autre point parce que je. Pendant que j'étais en train de réfléchir, j'étais en train d'entendre la musique. Donc la musique, on va parler de la musique. Bon, les bruitages, ils sont toujours aussi excellents. Hein, très sincèrement. Il n'y a rien à dire, à redire là-dessus. Mais concernant la musique, ça m'a un peu surpris parce que. Il fait vachement parler la musique, ce DLC. Enfin, parler. Vous me comprenez, hein. Voilà. Il y a beaucoup de musique pour quasiment toutes les villes, chaque ambiance. Et ils ont rajouté une musique. Bon, il y avait déjà des musiques connues par rapport à The Final Station. Mais quand même, il faut dire que c'est assez surprenant. Parce que dans The Final Station, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de silence. Bon, ce qui permettait d'alourdir la. Voilà. Ah, prends ça, Balotri ! Ce qui permettait d'alourdir. L'ambiance qui planait sur le monde. Donc voilà, là il y a plus de musique, mais elles sont toujours très bien trouvées, toujours dans le thème. Elles aussi, elles veulent dire quelque chose. Et ça j'aime. Oh putain, dégage, petit malotri. Voilà, on sait jamais, donc on leur donne des coups. Voilà, déjà une exploration. Et voilà déjà la nourriture et l'eau trouvée. Ça c'est bon. Donc, le fait qu'il parle aussi, qu'il ait ses petits monologues, le personnage, bon, c'est sympa. J'allais dire en nom de l'empathie, mais en fait, le personnage n'a pas vraiment eu d'empathie envers lui. Voilà, comme celui du premier, en fait, hein. Voilà, c'était plus par rapport à l'ambiance générale, qu'à la fin, on était dégoûté. Je dis du premier, mais vous me comprenez quand je parle du premier. Oh là là. Ouais, je vous disais, c'était plus par rapport à l'ambiance générale. Voilà, dégagez, bande de petits monstres. Que par rapport à lui, parce qu'on sait rien de notre personnage principal. Et là, c'est vrai que j'allais oublier, mais dans The Final Station, on en prend un peu plus. Voilà, donc vous avez pu voir. Hein. Hop, j'ai chassé les deux petits monstres. Allez, on va monter. Oh putain, merde, non, je voulais descendre. Voilà. Attention, je me prépare la batte. Non, ça va. Là, on trouve juste une note. Voilà, et je vous parlais de l'ambiance, le jeu, je crois que je vous ai parlé de tout à peu près. Hein. Ah si, comme vous avez pu voir, non, parce que j'ai oublié. Vous avez vu le niveau, je suis arrivé, et dans The Final Station, ça se passait, enfin, on descendait à une station, et on visitait la ville, le lieu, la map, mais c'était que sur la droite, de gauche à droite. On descendait du train, on allait sur la droite. Là, on peut revenir en arrière, il y a d'autres trucs à fouiller. J'ai trouvé, en général, les maps un peu plus grandes. Voilà, pour ce qu'il y avait à dire dessus. Hein. Hop. Aïe, aïe, aïe. Oh. Voilà. Hop. Plus grande et pertinent en même temps de les avoir fait un peu plus grandes. Hein. On n'est pas dans une voiture. Enfin, on n'est pas dans un train, on est dans une voiture. Donc, c'est normal qu'on puisse visiter un peu plus des villes. Voilà. Putain, je m'acharnais alors qu'il était mort. Donc, voilà pour The Final Station. Non, putain. The Only Traitor. Hein. Oh, tiens, dégage. Ah oui, là-bas, putain, je peux y aller, de l'autre côté, je vais y aller. Donc, je crois que j'ai fait le tour du propriétaire, hein. Je vous ai parlé un peu de ce DLC. Oh, merde, oh, faut que je descende par la cave. Ah, c'est des maisons mitoyennes, c'est pour ça. Putain. Mais quand même, il y avait un passage entre les deux, là. Ah, bonjour, messieurs. Voilà, dégage. Comme je vous ai dit, le fait d'avoir une batte, hein, ça rend un peu plus facile le gameplay. Par contre, ça, je l'ai pas évoqué dans ma review, Oui, voilà, dans ma review, mais mon avis, parce que moi j'appelle ça des vidéos avis, parce que je donne mon avis, et c'est mon avis. Alors, ne me faites pas chier, hein, n'est-ce pas? Le mec, il part en couille. Ouais, alors, sur PC, ce petit croix, allez, ça doit être formidable, très honnêtement. Mais franchement, là, avec le stick, je trouve ça pas très pratique, en fait, pour bien viser, surtout certains ennemis qui demandent de viser, par exemple, que dans la tête. Bon, c'est un peu chaud, c'est pas très pratique, quoi. Voilà, attendez, je vais charger ma batte. Oh, hop, je vous ai dit c'est pas une batte, mais moi je dis une batte, hein. C'est plus facile à comprendre. Voilà.
Ouais, d'accord, si tu veux. Bon, voilà. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, j'étais en train de lire un petit mail. Je vous ai parlé de l'ambiance sonore. Je fais le petit tour, un petit récapitulatif. J'espère que vous êtes pas. C'est chiant. Donc voilà, cet univers que j'adore de The Final Station. Malheureusement, que je vous dis par rapport à mes attentes, ça a été décevant ce DLC. J'en entendais beaucoup trop. Après, il est sympa à faire. Je crache pas dessus, très honnêtement. C'est un DLC super honnête. Si The Final Station, il faisait 2h30, 3h30, 4h, on va dire à peu près. Celui-là, il fait bien au moins 2h, 2h30. C'est honnête, très sincèrement. Pour 5€ en plus, je vous le conseille. Si vous êtes sur PS4, hein, parce que j'imagine, j'ai cru avoir lu que la version Switch, elle aurait le DLC directement incorporé. C'est cool. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi, je me suis posé une question, je me suis dit, si on commence directement par l'extension, est-ce que ça gâche l'expérience de The Final Station? C'est une question que je me suis posée. Et à cette question, je me répondrai un petit peu, mais on peut très bien commencer par ce DLC. Très sincèrement, même si on serait perdu dans les notes qu'on trouverait, on ne saurait pas de quoi il parle. Mais très sincèrement, on peut commencer par cette extension. C'est pas conseillé, mais c'est faisable. Donc voilà, j'ai trouvé. Hop, voilà, c'est bon. Allez, en voiture Simone, en voiture Simone, c'est moi qui conduis. C'est ta qui klaxonne. Bon, qui se souvient de Sébastien Patoche? Oh putain, je pars oui. Donc alors, Jess Michael. Hop, donc voilà, craft. Je peux toujours pas crafter ça. Des munitions peut-être. Bah non, parce que j'ai pas de flingue. Quel con. On peut éteindre la radio aussi. Voilà. Mais moi je préfère avec la musique parce qu'elle est tellement bien travaillée, elle est tellement agréable. Autre chose aussi. Parce que j'en profite, parce que ça m'est revenu à la tête. Mais les arrière-plans. Autant dans The Final Station, il y avait souvent des trucs à voir en arrière-plan, à regarder. Voilà quoi, ça nous disait des choses. Autant là, ce qui me fait dire, en réfléchissant, que je pense plutôt que ça se passe après The Final Station. Parce que voilà quoi, il n'y a pas grand chose à regarder, le décor il raconte rien dans ces cas-là. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, j'ai apprécié. Et voilà, vu que je suis en train de tourner en rond, je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Je vous ai assez donné mon avis comme ça. Un bon DLC, malheureusement j'en attendais beaucoup trop. Donc c'est pour ça qu'il m'a un peu déçu. Mais c'est agréable à parcourir. Surtout quand on est après The Final Station, rester dans le même univers, c'est sympa. Et pour ce qu'on apprend, et voilà. C'est sympa! Riche en révélations, mais moins intéressant. Pour moi. Voilà. Allez, bah écoutez, c'est en arrivant en ville. Quand on arrive en ville. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je me suis pas trop, embourbé dans mes explications. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Ah, la musique aussi, elle est géniale celle-là. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Thank you.